Eh bien, bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera sur Advanced Warfare. Donc cette fois j'ai enfin trouvé comment enregistrer des gameplays. Donc si vous voulez, je viens de vous montrer ma classe. Donc ce sera une partie match à mort sur équipe. Enfin un match à mort en équipe sur Retreat avec ma balle 27 Royauté, qui est accessoirement la balle 27 Inferno. Donc vous avez pu voir ma classe au début, mais je peux vous la rappeler si vous voulez. Donc il y a donc la balle 27 Inferno, bien évidemment, enfin Royauté. Donc j'ai mis poignée avant, poignée argo et chargeur grande cape. En atout, j'ai mis le profil bas, premier atout. Deuxième atout, j'ai mis fonceur, pour pouvoir tirer un peu n'importe quand. En troisième atout, ce que je mets tout le temps, impulsion furtive et pillard. Et donc l'équipe strike, j'ai mis le drone, l'IEM et le Warbird. Donc le drone, j'ai juste mis le tout premier, la vitesse. L'IEM, pareil, j'ai mis que le tout premier. Et le Warbird, j'ai mis que tout premier, l'agresseur. Donc vu que j'ai enfin trouvé comment vous enregistrer des gameplays, je vais vous en faire un peu plus souvent maintenant. Là je vais mourir assez bêtement, voilà. Là je parle en différé, comme ça je pourrai vous faire des petits commentaires sur les vidéos. J'espère que la qualité sera à peu près bonne. Là je viens de mourir, je sais pas comment il a fait pour aller aussi vite, surtout qu'il était avec une SMA rigor avec une ACOG. Je dis pas que la COG est nulle, la COG est très très bien sur l'HBRA3 je trouve. Par contre sur une SMA, bon il était beau ce tir. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Je m'en rappelle plus. Je monte, il y en a un qui arrive en bas. Je tire, il y en a un autre qui passe, mais j'ai pas le temps. Du coup, j'y retourne. Donc, cette vidéo, je vous la posterai juste après ma vidéo spéciale 100 abonnés. Qui est en. Là, quand je suis en train de faire le commentaire, la vidéo spéciale abonnée, la première partie est en train de s'upload. J'en suis à exactement, tenez, je vais vous le dire, exactement 58%, donc je n'ai encore pour une heure de téléchargement, je pense, vu qu'elle est en full HD. il y a de la qualité. Donc vous verrez, j'espère que vous plaira cette vidéo. Et donc la vidéo que je fais maintenant sur Call of Duty, j'espère que vous plaira aussi. J'essaie maintenant de vous en faire le plus possible, étant donné que je sais comment recorder les gameplays maintenant. Donc vous allez voir que cette partie est quand même pas mal, hein. Je vais faire plus de 30 kills. Je sais pas comment il va faire pour m'avoir. Probablement avec le lag, vous voyez. Donc je vous disais, je vais faire une partie avec plus de 30 kills, je vais vous spoiler. Je vais pas faire de grosses séries, je vais juste réussir à avoir mon IEM. Mais c'est vraiment dommage qu'on puisse pas en fait enregistrer les gameplays. Enfin, vous savez, comme sur la PS4 par exemple, on partage le gameplay. Comme ça on peut l'enregistrer après, ça serait vraiment cool. Parce que là, non, on est obligé de prévoir à l'avance. Donc après, si on fait une mauvaise partie, ben, on efface l'enregistrement. Si on fait une bonne, on le garde. C'est ça qui est un peu dommage. Donc généralement, bon, ça me vantait, je quand même d'assez bonnes parties. Là, le kill était plutôt beau. Donc, je fais quand même d'assez bonnes parties, généralement, avec n'importe quelle arme. Hein. Je vais pouvoir vous enregistrer quand même pas mal de gameplay. Et notamment si j'arrive à refaire une DNA comme j'avais fait, comme je vous ai posté. Regardez la petite double, je trouve qu'elle est plutôt belle. Ouais, j'avais un bon shoot. Donc je disais, si j'arrive à vous enregistrer d'autres DNA, bon, je suis pas sûr que j'en fasse d'autres, mais... Oula, là il a réussi à me cutter. Il a bien fait. Moi j'ai mal joué. Et bon, pour l'instant là, avec ma balle 27 Inferno, là je suis pas mal parce que j'arrive à la partie juste avant, j'ai fait une série de 22. Bon, avec le Warbird n'a fait que 2 kills, donc ça fait une série de 20. Donc si ça continue comme ça, je pourrais faire d'autres DNA. Qui sait. Donc vous voyez que j'ai préféré rester allongé pour éviter de me faire tuer. Donc j'ai laissé passer, j'ai tenté le wallbang à travers le bois, sauf que c'est pas passé. Il y en a un qui est parti là-bas. Je vois qu'il était en train de monter, du coup je saute. Sauf que trop tard, il y a mes deux alliés dessus. Du coup, je pars chercher ceux qui sont là-bas, enfin celui qui est là-bas. Vous voyez, j'aime bien faire ce mouvement, faire une petite glissade et sauter après pour rentrer là. C'est assez stylé. Puis ça peut surprendre les adversaires. Souvent, j'arrive dans le dos des adversaires comme ça. Donc, essayer de le refaire, ça peut vous aider quelquefois. Bon, là, c'était un peu moche celui-là parce que j'ai un peu spray. Lui, rien à faire, hein. Il était limite AFK. Là aussi, je vais mourir. Parce que j'ai pas visé assez tôt, j'ai pas été assez réactif. C'est vraiment à partir de maintenant que le gameplay va devenir vraiment très intéressant. Parce qu'avant je faisais voilà, un kill par-ci par-là, maintenant ça va devenir un peu plus intéressant, vous allez voir. Donc, là je vais mourir assez bêtement, parce que j'ai regardé la minimap, j'ai vu qu'il y en avait un sur la gauche, parce que j'avais pas vu qu'il y en avait deux sur la droite. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oui, donc là il y en avait un par terre, mais je vais laisser mes alliés le faire. Il y en a à droite, et pareil, je préfère ne pas le faire. Je préfère mes alliés, enfin, le laisser à mes alliés.
je monte, je recharge. Là, je repars dans la mêlée. Donc, vous voyez que, enfin, vous voyez et vous verrez. Là, je vais mourir aussi. Non, c'est pas là, j'ai rien dit. Donc, vous verrez que mes gameplays, enfin, mon gameplay et mes gameplays seront quand même très agressifs et quand même beaucoup de rush. Ah, je suis un très gros rusher. Là, vous allez voir que je vais avoir beaucoup de chance dans les 30 prochaines secondes. Une grenade, j'arrête, je prends l'insanity. Je re-switch, j'ai pas fait exprès. Là, je voyais juste ici, heureusement, j'ai failli prendre la balle, mais non. J'ai fait un petit dash sur le côté. Et là, par contre, il y a le petit drone, je sais pas d'où est-ce qu'il est sorti celui-là. Petit spawn kill. Il est tout au bout. Là, je sais pas comment il va me tuer, regardez. Regardez bien. Je m'allonge ici. Il me tire à travers, alors que moi, j'y arrivais pas. Bon, c'est pas très grave, mais c'est un peu bizarre quand même. Voilà, donc là, je vois que tous les ennemis sont massés là-bas, donc j'y vais. Il y en a un là, c'est trop tard. Donc, mon allié y va, je le laisse. Il y en a un à gauche, je l'ai. Avec un peu de chance, c'est vrai. Là, regardez ce que je vais faire, je le vois à travers le mur grâce au drone. Il a failli mourir. Moi, il y en a un à gauche, là aussi j'ai un peu de chance, avec la dernière balle et grâce au lag, on va dire. Et je vais la voir à travers la cloison. Là, regardez, la fin va être plutôt magnifique. Les 7 derniers kills. Donc, ça fait 1. Là, je m'allonge, je fais un petit dash sur le côté, il sait même plus où j'étais. J'ai mon drone. Je balance mon drone. Il y en a un ici. Il y en a encore un